Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis très contente de vous retrouver et de vous emmener avec moi pendant une semaine dans la savonnerie. Beaucoup d'entre vous me suivent déjà sur les réseaux sociaux. Tous les jours, on partage plein de choses, mais là, on va vraiment être en immersion tous ensemble pendant toute cette semaine et vous allez partager notre quotidien à moi et à Louane, puisque je travaille avec mon apprenti cette semaine, avec qui je travaille depuis un an, mais bientôt, qui est là 15 jours par mois. Cet été, j'ai aussi embauché Elodie en CDD, mais là, cette semaine, elle n'est pas là. On sera toutes les deux avec Louane. On a plein de choses à faire et des nouvelles choses d'ailleurs. Un nouvel appareil à tester et qu'on va tester dès aujourd'hui. Je vous retrouve dans la savonnerie. Welcome back! Bon retour à la savonnerie, à vous tous et à Louane, qui nous a abandonnés pour prendre des vacances pendant tout le mois d'août. Franchement, quelle idée! Allez, on se met au boulot! Donc aujourd'hui, on utilise cette machine qui n'est pas encore reconstruite parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de tout démonter pour tout nettoyer le système à l'intérieur et le désinfecter. J'ai pas désinfecté là. Donc, on va la remonter et en fait, c'est une machine, c'est une remplisseuse en fait manuelle. Et on va remplir, du coup, on va faire une production d'oléosérum, donc notre nouveau produit qui arrive dans quelques jours sur le site, dans 3 jours exactement, le 1er septembre. Donc ce nouveau produit, et pour ce faire, pour nous faciliter la tâche, parce que remplir 100 ou 200 flacons à la main, sans en mettre partout, c'est un petit peu compliqué, surtout que l'orifice est assez étroit. Donc, on va découvrir, on va tester tous ensemble ce nouvel appareil. Je veux dire machine, mais ce n'est pas une machine. Appareil, parce que c'est nous qui allons tout faire, en fait. On remplit en appuyant sur la poignée. Et on va vous montrer tout ça. Jusqu'ici, tout se passait bien. On a tout démonté, on a tout remonté. Mais impossible de visser, de revisser ça dessus. Ça visse dans le vide. Que faire? Je pense que tu vois, tu sais, ça bouge légèrement et ça doit pas être dans la, il doit manquer un quart de millimètre pour que ça soit dans l'axe. Donc je me dis peut-être qu'on va le changer de place et ou je sais pas, le mettre par terre, faire quelque chose pour essayer le mettre dans l'axe. Non mais attends, ça visse là. Non. Non mais ça visse là. Visse-toi. Oh, il est bloqué. Ah non, ça visse. Ça visse. Je sais pas ce que t'as fait. Non, parce que là maintenant ils vont pas nous croire que ça fait genre un quart d'heure qu'on est sur le truc. Putain, c'est pas vrai. Ah la vache. On s'est dit quand même, on a tout démonté, les petites pièces, les petits ressorts, les machins, les trucs, on a tout lavé, on a tout réussi à remonter, et paf, on n'arrive pas à visser un truc, quoi. Bon, allez, on continue. Allez, cette fois, on est fin prête. Louane est en train de préparer tous les ingrédients. Moi, j'ai commencé à préparer tous les flacons. Je ne peux pas tout mettre, donc on va les mettre au fur et à mesure parce que là, il y en a à peu près un peu plus d'une centaine, mais on doit en faire 216, très exactement. Là, c'est les recharges. Et là, c'est les flacons qui pètent. Donc, j'avais pas encore fait de recharge parce que j'attendais une livraison pour en faire plus. Parce que quitte à mettre en route cette machine-là, à devoir la démonter pour la nettoyer, la désinfecter et tout ça, je voulais vraiment en faire beaucoup d'un coup. Mais bon, 216, ça sera déjà pas mal parce qu'on a toutes les recharges à faire et puis une centaine également de flacons entiers. Donc on va les faire au fur et à mesure. Louane est en train de préparer les ingrédients là. On va tous mettre ensuite là, ici. Et ensuite dans le... Je sais même plus comment ça s'appelle. Une remplisseuse, mais ce truc-là, le réservoir, là, je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Et ensuite, on va vous montrer, on va les remplir par là, en fait. Chose qui va être très satisfaisante, j'espère. Mmh.
La pause déjeuner est terminée. Je refais un petit passage par mon bureau pour imprimer les étiquettes colis. Et je vais aller terminer en bas du coup la préparation des derniers colis qui sont arrivés hier soir. Et j'ai maintenant cette petite imprimante bien sympathique pour sortir les étiquettes colissimo. Ça me plaît bien. Et je vais redescendre. Il est 13h20. Finalement, en fin de matinée, on a déplacé la remplisseuse sur la desserte qui est moins haute et c'est plus pratique. On n'a pas fini, on a encore une bonne centaine de flacons à remplir. Mais en attendant qu'on déjeune chacun notre tour, on a commencé à faire les étiquetages. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc là, on a fini toutes les recharges et puis on a commencé un petit peu avant midi les flacons pipettes complets qui ressemblent à ça avant d'être étiquetés. Et là, donc voilà, ceux-là sont étiquetés. Je vous montre. Donc je vous les ai présentés dans ma dernière vidéo YouTube si vous voulez aller voir, si vous voulez en savoir plus sur ce produit. Et puis à partir du 1er septembre, de toute façon, il sera en ligne et vous aurez toutes les informations sur la fiche produit quand ce vlog sera publié. Donc là il y a 112 flacons d'eau et de sérum comme ça et on en a fait aussi 98 recharges. Donc maintenant on va faire les étiquettes puis les ranger et Louane est en train de nous démonter la machine pour qu'on la nettoie bien complètement et qu'on la redésinfecte complètement pour la prochaine fois. Maintenant, il nous reste 3 lots de savon à étiqueter. Évidemment, on ne pourra pas terminer ça ce soir. 3 lots de Supernova que je vous ai montré en vidéo YouTube et que Louane, donc, du coup, a commencé à étiqueter avec la nouvelle étiquetage de réglementation. Ça montre nous. Et on s'est fait du coup pour de la place ici pour les mettre parce que on cherche un peu la place. Là tout est plein. Et comme on libère un maximum de l'eau pour notre gros projet du 12 septembre, bah du coup toutes les caisses qui sont là, vous voyez, ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là et ces deux-là, et ben c'est des lots de savon qui sont libérés et prêts à être vendus. La plupart sont étiquetés déjà et là du coup on va rajouter les 3 lots de Supernova et tout le reste là c'est nos savons qui sont en train de sécher derrière là-bas aussi les savons de Noël, du baume fouetté et puis voilà. Et là ce qu'on a fait aujourd'hui, donc les oléosérums. Et on est mardi, donc aujourd'hui c'est savon, on reprend les savons, on va faire 2 savons aujourd'hui et on va faire donc un délice de Noël en premier et un fleur d'agave. J'avais dit que j'essaierais de refaire 2 délices de Noël en plus début septembre, enfin, quand j'entends début septembre c'est maintenant en fait. Mais je ne sais pas si on va réussir à en faire 2. Il y a des chances qu'il y en ait qu'un, je pense. Mais ça sera déjà ça, on fera avec ce qu'il y a. Louane est en train de se battre avec le...
On voit un peu juste, on voit juste la cuve avec tes mains. Vous avez vu hier comment on a galéré pour, on a un petit peu galéré pour mettre en route le, cet appareil que vous voyez là. Bizarrement, ça a juste à se visser, mais bon, ça ne veut pas à tous les coups. On a un peu galéré pour remplir aussi les flacons au début parce qu'on n'avait pas assez serré certains joints, etc. Et tout. Et du coup, je pense qu'il y avait un petit peu d'air qui rentrait, même si c'est très très léger. Du coup, en fait, le remplissage n'était jamais régulier. C'était compliqué. Mais à la fin, on a bien trouvé le rythme. Et après, ça roulait. Mais bon, c'est comme toute mise en route d'un nouveau système. Je pense qu'il faut s'y habituer. Et donc voilà, donc j'ai ma bouteille, j'ai mon agenda qui ne quitte jamais, mon téléphone, vous êtes là avec moi, et on y va. Un nouveau pain de 25 kg de karité bio. On joue au foot. Et moi de mon côté, j'ai terminé d'étiqueter le lot qui est en cours là de Supernova. Donc je vais ranger, je vais nettoyer la caisse et puis je vais préparer les commandes pendant que Louane de l'autre côté avance dans la préparation de tous les ingrédients pour nos deux savons du jour. Notre savon délice de Noël est terminé. Il est tout beau et tout doré. Et il est l'heure d'aller déjeuner. Et qu'est-ce que ça fait comme rime tout ça? Donc il est midi. Je vais le couvrir. Louane va ranger et nettoyer pendant que je pars déjeuner. Relancer le prochain. Comme ça, dès que je redescends, je peux remettre ça. J'ai recommandé des étiquettes et là je viens de recevoir le BAT. J'ai fait du coup j'ai rajouté le petit pictogramme dont je vous parlais pour le recyclage obligatoire sur tous, comme ça c'est fait, puisque là on est obligé de le coller pour le moment en plus, ce qui est pas ce qui est une charge de travail et un coût supplémentaire, donc c'est pas cool. Mais et j'en ai profité, vous avez remarqué, pour changer quelques designs. Donc le tropical et le lotus bleu ont changé. Mais je viens de remarquer en fait sur le... Vous n'allez peut-être pas le voir là sur le PAT que les adresses sont quand même très très floues. C'est pas très net. Donc je pense que je vais les reprendre parce que c'est un fichier image que j'avais récupéré des étiquettes que Manon m'a fait, ma graphiste. Et en fin de compte, je vois que c'est pas très net là.
Donc, je pense que je vais les reprendre cet après-midi avant de leur renvoyer les documents. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, le nouveau Lotus bleu. Flower, j'ai juste changé la couleur ici. Et Délices de Noël, il n'a pas changé, j'ai juste rajouté le petit cartouche. L'heure pour moi de me mettre au montage du vlog avec mon petit thé et je sens qu'ils vont être très bons, des délicieux croquants aux noix du Périgord que Louane m'a ramené de vacances. Elle est tellement adorable et une fois elle m'avait ramené des biscuits aux noix comme ça que j'avais trouvé trop bons. Donc je vais faire mon petit thé, mon montage avec mes petits biscuits. Mercredi 31 août, dernière journée de ce mois d'août. Officiellement la rentrée demain pour nous, la sortie de nos nouveaux produits Flo. Gros mois, très très gros mois qui arrive. Hâte de partager tout ça avec vous. Du coup, comme vous l'avez vu, on est déjà à plus de 19 minutes de vlog en 2 jours. Je vous ai fait un petit sondage sur Insta pour voir si vlog long, vlog pas long, etc., durée idéale. Et j'ai beaucoup réfléchi et j'ai pas du tout envie de me censurer ou de faire des journées de vlog de 5 minutes, de tout condenser, tout ça. J'ai envie de prendre le temps de partager avec vous. Donc j'ai décidé finalement de scinder ce vlog en 2 parties. On va, je pense, faire une partie donc, qui va se terminer aujourd'hui. Et tout le reste, bah, du coup, le reste de la semaine sera dans une seconde partie que je vous mettrai en description, évidemment, pour que vous la retrouviez facilement. Comme ça, on va prendre le temps de papoter et de vous montrer tout plein de choses. Ce matin, on est en opération emballage de shampoing. Donc là, on va les emballer petit à petit parce qu'il y en a beaucoup. Ils sont là en attente. Il y a déjà donc toute une caisse ici de mise en carton pour les 40 grammes. Et Louane a attaqué là les grands ce matin. Et on va faire une caisse entière aussi de grands, moitié-moitié, d'imauve jojoba et mangue argile blanche. Aujourd'hui, c'est aussi le jour du démoulage de nos 2 savons d'hier qui sont là et que je vais tâter pour voir s'ils sont chauds. Ça, c'est le premier, Délices de Noël, qui, non, c'est bon. Et ça, c'est le deuxième, qui est encore un peu tiédi. Alors ça, c'est pas le moule qui est taché. C'est le film qui est dessus, parce qu'en fait, c'est mes couvertures de survie toutes neuves qui ont déteint sur le film. D'ailleurs, heureusement que je mets un film, oui, je mets un film dessus pour protéger le couvercle de l'humidité du savon. Et j'ai eu la flemme de le rechanger, là, j'attends. D'ailleurs, celui-là, il a aussi morflé. Donc, voilà, je vais m'occuper de celui-là. Là. On va commencer à démouler le délice de Noël. Et on va vous montrer tout ça. Allez, c'est hyper, allez. Il y a quelqu'un là-dedans?
Voulez-vous sortir de là, monsieur le savon? Youlou, libéré. Allez, on va voir ce que t'as dans le ventre, mon gros. Tiens, regarde, on va te montrer. On va te montrer aux gens. C'est moule là. Regardez-moi ça. Cela c'est chez Bulle et Maille. Et si vous êtes savonnier, savonnière, amatrice ou pro, vous pouvez contacter Julie ou acheter sur son site directement. Je vous mets le lien en description. Et avec le code FLOACADEMY5, vous avez en plus 5% sur toute la boutique. Et voilà le délice de Noël. Il est encore un petit peu mou. Donc on va essayer de le manipuler doucement. Pour mes étiquettes, parce que du coup hier après-midi je les ai modifiées, donc on va réimprimer ça et on va voir si c'est ok. Alors voyons voir, ben, c'est tout bon. J'ai modifié aussi le petit logo SAF. Il y avait un petit tour blanc, je l'ai enlevé et ça va. On est en train de préparer et découper le papier de soie que j'ai acheté spécialement pour notre nouveau savon Supernova. C'est donc un papier de soie de fabrication française. Alors comme vous allez le voir, il est cuivré et métallisé pour s'accorder parfaitement avec notre savon Supernova, et c'est spécialement donc pour les envelopper, pour les protéger dans vos colis. C'est un papier de soie qui est absolument magnifique parce que déjà il a une encre qui ne déteint pas, qui est sans chlore, sans acide, c'est des fibres naturelles, ça vient de forêt certifiée justement FSC, etc. Donc c'est vraiment de la très très belle qualité et en plus fabrication française. Donc on est content, on aime. Donc là j'ai acheté une rame complète spécialement pour notre savon Supernova. Je suis en train de regarder notre plan de bataille notre plan de bataille des productions de l'été, et on est pas mal, je dois dire qu'on est pas mal. D'ailleurs je suis en train de voir que Lotus Bleu
On en a un pourtant, on en a fait un. Peut-être qu'il était fait. Non, il n'a pas été fait avant l'été. Donc on va regarder, on va faire le point parce que là je refais le point sur ce qu'on va sur le planning de la semaine prochaine. Dernière semaine avant, avant le coup de bourre. Donc je regarde ça, je planifie, mais on est pas mal. On est pas mal, franchement.